Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, c'est pour ça, comme ça, j'enchaîne la deuxième. Je la posterai plutôt samedi ou dimanche. Je vais vous faire comme à ma petite habitude depuis janvier. Je fais la CC Box du mois là on est quoi? Du mois de mai, voilà. Donc en fait, je vous montre les produits que j'ai utilisés le plus ce mois-ci. Donc, j'ai créé ma propre box et je vous montre tout ça. Alors, en ce moment, j'utilise ça de la marque Vita Coco. Je l'avais reçu dans l'édition limitée pour peau foncée et les cheveux bouclés. C'est un masque capillaire. Donc voilà, j'en prends en petite quantité. Et il sent mais divinement bon la coco. Mais quand je vous dis qu'après, il démêle super bien les cheveux, franchement il est vraiment topissime. Donc puis en plus je suis contente, il va me faire assez longtemps, donc c'est sûr que je me la rachèterai. De la marque Monuskin Skin Perfector, c'est un qu'est-ce que c'est c'est un ah oui une base de maquillage. Donc je l'utilise avant de me maquiller, il est topissime. On l'avait reçu dans une édition limitée Glossy Box et franchement j'en suis déjà pas mal tout ça utilisé et franchement il est vraiment topissime. Donc je vais l'utiliser pendant encore longtemps, mais il est vraiment top, franchement un 10 sur 10. De la marque Rituals de Rituals of Sakura, c'est franchement, je vous l'avais déjà montré, je crois, en début d'année, que j'utilise encore. J'avais acheté l'année dernière sur Look Fantastic avec mes Glossy Crédit. Et en fait, je l'utilise soit sur mon linge de maison ou en fait, j'ai une manie, un petit rituel que je fais le soir. C'est avant d'aller me coucher, je pipite mon coussin de ce produit-là et franchement j'adore, il sent tellement bon et je me dis que je dors dans une bonne odeur quoi, dans une bonne ambiance, fleur de cerisier, c'est top. Donc j'adore, je suis vraiment pas déçue. C'est ce que je vous avais présenté en petit format dans la vidéo produit terminé qu'on a reçu en plus grand cette fois-ci dans la Glossy Box. Et du coup je l'utilise quand je sais que je me lève tôt parce que je sais que ça m'endort rapidement. Et pour ma part ça marche du feu du dieu, du feu de Dieu, il marche tellement bien. Puis il apaise, puis je trouve que c'est la lavande, ça déstresse un peu, ça détend. Donc vraiment il est top, puis il sent pas trop la lavande, c'est pas une odeur qui est forte, donc super. Et le dernier produit que j'avais reçu à Stokomani, que j'avais acheté, si je me rappelle bien, dans une My Little Box, ouais. C'est un spray, c'est une brume florale. Donc je l'utilise en fait une fois que j'ai fini de me maquiller, que je fais mon make-up. Je me pchipchite de brume florale et j'adore parce que une fois que je le mets, il est tellement frais. Oh, j'adore trop. Donc en fait, il se présente comme ceci. Dedans, il y a des petites pulpes. Et il se présente comme ceci. Donc je viens de l'utiliser. Ça fait pas longtemps que j'ai fini le Grèce Estella. Franchement, il est vraiment top. Après, il est assez épais. Je vais vous montrer déjà. Je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Et franchement, j'adore. Je vais le tester en caméra. Et il est vraiment. Oh là là, il est hyper frais, il est vraiment topissime. Donc franchement, j'adore. J'adore trop. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma sélection du mois de mai. Oui, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, de commenter et de vous abonner. Ça me ferait très très plaisir. Et je vous souhaite un excellent bon week-end. À bientôt!